très content, Léo, de t'accueillir aujourd'hui sur l'émission Portrait sportif. Aller découvrir le monde du skateboard, c'est pas vraiment ma palette par rapport à tout cet univers-là qui est complètement inconnu. Parle-moi un peu de toi, Léo. Présente-toi, s'il te plaît. Mon nom, c'est Léo Hamel. J'ai 19 ans. Je fais du skate depuis que j'ai 8-10 ans, attends, environ. Puis depuis ce temps-là, j'en fais pas mal à tous les jours. Puis ça s'enligne bien quand même de mon côté, là. Ton premier souvenir, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir d'embarquer sur une planche à roulette? Si tu es un peu les amis, l'univers, le fait que tu étais un peu casse-cou, parle-moi un peu de ça. mon cousin qui habite à côté de chez nous, il y avait un skate qui traînait dans son garage. Puis là, j'ai vu qu'il y avait ça. Il me l'a comme prêté. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai commencé à rouler assis dessus, à m'amener debout. Puis après ça, ça s'est comme développé jusqu'au point que mes parents m'ont acheté un skate. Puis depuis ce temps-là, je fais des petits setups de casse-cou chez nous, des affaires de même. Fait que après ça, ça s'est développé plus en une passion. Parle-moi un peu de l'univers du skateboard, parce qu'on sait qu'il y a différents domaines de pratique, comme à l'intérieur, ça peut être fait aussi dans un skatepark, à l'extérieur. Tu me parlais aussi tantôt d'en faire dans les rues, il y a différents un peu compétitions. On a vu l'entrée de la planche à roulettes aux Jeux olympiques. Parle-moi un peu comment est-ce qu'on pratique ce sport-là. Comment qu'on pratique le skate, c'est vraiment, tu peux aller avec tes amis au skatepark. Si tu fais juste faire du skate, tu pratiques, tu as un truc en tête, tu l'essayes. Des fois, ça peut prendre 10 minutes, des fois, ça peut prendre 2 heures. T'sais, c'est vraiment de pratiquer, de pas lâcher. Autant que tu peux aller dans la rue, essayer des trucs, les filmer, tu peux aller au skatepark, à l'intérieur, l'hiver surtout. Tu peux juste vraiment d'aller avec ses amis, prendre son temps puis essayer plusieurs trucs. Là. Prendre son temps, c'est vraiment la persévération. Bon, quand je vois les gens qui font une fois, deux fois, 100 fois, 300 fois, 500 fois le même trick, c'est pour réussir à le faire puis de le capter enfin pour pouvoir le montrer aux autres. Je trouve ça vraiment une persévération incroyable parce qu'on s'entend quand on parle des sports extrêmes ou du moins qui ont plus de chances de se faire mal en planche à roulettes que peut-être jouer aux échecs. Ça permet un peu ces éléments-là d'être de l'avant. Ta première passe que tu as réussi à faire, c'est laquelle? Puis parle-moi un peu du souvenir que ça t'a éveillé. T'sais, la première passe, pour beaucoup de monde, c'est le ollie qu'on appelle. Je fais un saut avec ton skate, mettons. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est vraiment comme pas mal tout le monde, le premier kickflip qu'on appelle. Là, faire flipper ton skate pendant que tu es dans les airs. Ça m'a vraiment marqué. C'est un gars au skatepark qui m'a montré ça. Mais il m'a dit un peu comment me placer tout. Là, ça a marché. Puis là, j'étais vraiment marqué de ça. Là, j'étais comme, OK, là, ça commence à avoir un petit peu de trick. Là, ça va être le fun. Depuis ce temps-là, j'ai pratiqué. Puis là, ça devient seul. Moi, je trouve à mes yeux que la planche à roulettes, c'est un sport, mais aussi un côté très artistique parce que de choisir de faire telle figure en combinaison avec telle autre figure, d'aller choisir tel élément, est-ce que tu as une fibre un peu artistique en toi ou comment tu trouves que tu réussis à tracer ce portrait-là? C'est qu'en skate, surtout, c'est que tout le monde a sa façon de faire son truc. Là. Tu vas faire un truc, mon ami ne le fera vraiment pas de la même manière. Puis c'est surtout le choix de truc que tu fais. Tu sais, mettons, on se met un rail, qu'on appelle. Là. Puis... Tu sais, moi, je vais avoir un truc super bien, mon ami va avoir un autre truc super bien, mais si j'essaie le sien, ça marchera pas. C'est vraiment le choix de truc que t'as. Souvent, c'est avec ça que tu te démarques. Tu sais, comme lui, il est bon pour faire ça, ça c'est cool, il y a pas grand monde qui le font. Fait que tu te démarques avec les trucs que tu fais vraiment, comment t'es fait et tout. Puis l'inspiration, tu la trouves comment? Tu regardes des vidéos sur le web, tu essaies d'un peu t'inspirer, tu vas de ton propre cru en fonction un peu de l'ABC de la planche à roulettes pour essayer de faire des figures. Parle-moi un peu de comment tu composes un peu. C'est vraiment, en regardant des vidéos, tu trouves vraiment des gens que tu te ressembles à comment tu skates un peu. Puis avec ça, ça t'inspire beaucoup. Comme si je vois un gars sur Instagram, mettons, qui fait un truc que je trouve vraiment nice, que j'ai jamais essayé, ça se peut que le soir même au skatepark, je vais l'essayer. Puis souvent, ça marche. Là, je suis super content après. Je suis comme, okay. Ça, j'ai pu faire ça comme lui. T'sais, c'est pas pareil, mais c'est un peu dans la même ligne de trucs, qu'on va dire. Là. Fait que tu peux t'inspirer beaucoup des vidéos des autres, là, ouais, c'est vraiment avec les vidéos. Ouais. Parle-moi un peu de ton parcours de compétition, de se mesurer à d'autres skateboarders, de voir un peu peut-être la culture qui est différente d'un pays à l'autre. Parle-moi un peu de cet univers-là. Les compétitions, ma première, ça avait commencé quand j'avais 12 ans. J'avais fait ça, la première compétition, j'étais quand même stressé, c'était bizarre, là, tout le monde te regarde, il y a plein de skateurs, tout le monde est quand même super bon. Ça a donné que ça a super bien marché. J'ai fini troisième, je pense, avec un petit prix d'argent et tout. Fait que ce temps-là, j'étais comme, il y a moyen de faire quelque chose avec les compétitions puis de gagner un petit peu avec ça. Fait qu'après ça, j'ai vraiment spoté le plus de compétitions possible. J'essaie d'en faire à gauche, à droite. Il y a des fois que ça marche un peu moins bien, c'est sûr.
Parce que comment ça marche en compétition, c'est que d'habitude, ils te donnent une minute pour faire ce que tu veux dans le skatepark. Les juges selon comment tu es constant avec tes trucs, la difficulté de tes trucs, tout plein de trucs de même. Puis d'habitude, sous pression, moi, je marche quand même bien. Ça dépend pour d'autres aussi. Il y en a d'autres qui les compétitions, c'est vraiment pas pour eux, puis ils se démarquent vraiment juste avec les vidéos. Mais moi, je suis vraiment capable de faire les deux, fait que j'essaie d'aller à gauche, à droite pour ça. Là. T'as-tu une passe ou un move, comme on dit, qui est fétiche à toi ou ta signature pour t'aider à faire peut-être un petit peu plus de points? Je pense que oui, ça s'appelle un big spin. Moi, c'est ce que j'aime le plus faire. Tu peux faire ça sur un rail, tu peux faire ça en descendant des marches, tu peux faire ça un peu partout, en fait. Là. Moi, je pense que, tu sais, un de mes super bons amis, lui, c'est un autre truc, lui, il l'a tout le temps super bien, le heel flip. Moi, c'est vraiment le big spin, puis pas mal de trucs que je pense que le monde m'associe avec. Là. Dans ton cheminement d'athlète, parle-nous, tu t'en vas bientôt à une compétition. Parle-moi un peu tes aspirations, qu'est-ce que tu aimerais faire peut-être sur ton parcours. Est-ce que tu veux en faire un métier? Est-ce que tu veux essayer de tisser ton chemin le plus loin possible comme athlète ou d'en vivre avec la promotion de vidéos? Parle-moi un peu, c'est quoi tes ambitions? Surtout de faire des vidéos, là, parce que vraiment, en skate, ça, comme je disais, les compétitions, ça peut t'amener loin aussi. Mais il y en a qui en font juste pas, ils se démarquent juste avec des vidéos qu'ils mettent sur YouTube ou des affaires comme ça. Quand tu démarques avec des vidéos, là, après ça part, tu te mets à connaître du monde, tu te mets à connaître les personnes des compagnies qui sont en Californie, mettons, puis après ça, tu peux aller skater là-bas avec eux autres. Juste en faisant avec une vidéo qui te démarque bien, tu peux te rendre super loin, mettons. Moi, j'essaie vraiment de faire les deux. Je fais des vidéos en même temps de faire des compétitions, puis ce qui va arriver, là. J'espère faire mon chemin quand même assez loin. Mais on va voir ce que ça va donner. C'est quoi ton titre que tu es le plus fier d'avoir atteint? Ou obtenu dans une compétition ou une position que tu as dit, hey, c'est peut-être pas la plus grosse compétition ou c'est la plus grosse compétition que j'ai faite, j'ai réussi à me démarquer avec telle chose ou telle position? Et l'année passée, je crois, il y avait la compétition s'appelle Jackalope. D'habitude, il le fait à Montréal, au Stade Olympique. Il y a du monde de partout dans le monde qui viennent le faire. Mais l'année passée, avec le COVID, dans le fond, ils pouvaient pas faire ça. Fait qu'ils ont fait plein de petits skateparks au Québec. Puis les trois premiers, il y a comme une pause pour aller faire la finale qui était au spin à Brossard, dans le skatepark intérieur. Puis j'ai réussi à finir troisième quand même. Ça, j'étais quand même content. Félicitations. Fait que, merci. C'était comme tous les super bons skateurs du Québec, mettons, qui étaient là. Fait que finir troisième, j'ai presque fini deuxième aussi. Il manquait pas gros. Ça arrive. Puis je suis vraiment fier de ça. C'était cool. Moi, je fais de la course en raquette, donc j'ai besoin d'avoir plusieurs raquettes pour m'aider à affronter différentes météos. Tu as sûrement différentes planches ou différentes grippes ou différentes roues. Est-ce que c'est tout toi qui fais la mécanique de tes planches ou tu es aidé d'une équipe? Parle-moi un peu cet univers-là. Je suis aidé de plusieurs compagnies. C'est la compagnie de planches de Trucks, qui est le truc en métal qui fait tourner ton skate, puis les roues aussi. Mm-hmm. Ça m'aide pas mal. Mais je skate vraiment juste un skate à la fois. C'est pas, je n'ai pas comme quatre au cas où que si, ça. Je skate vraiment, mettons, des roues d'une telle grosseur avec un skate d'une telle largeur, puis c'est un par un là. Une fois qu'il est fini, je le change, puis c'est tout le temps le même dans le fond là. Puis avec le temps, c'est sûr et certain que quand on parle de sport un peu extrême, t'as sûrement peut-être vu des gens qui sont blessés ou des choses comme ça, ou même de ton côté, par moi un peu, t'es ta santé osseuse, est-ce que t'as réussi à garder tous tes morceaux? Surprenamment, oui, quand même. Je pense que le peu que j'ai eu, c'est une cheville foulée là. Fait que je connais du monde, par exemple, se sont quand même fait très mal aussi, là, bras cassés, tomber sa tête, des affaires de même. Là. Ça, c'est quand même vraiment moins cool. Là. Mais je suis content que ça ne m'est pas encore arrivé. Là. J'ai bien encore parce qu'on ne sait jamais. On touche du bois. Ouais, c'est ça. Mais à date, je suis vraiment chanceux. Là. J'ai rien de vraiment grave qui est arrivé. Là. Bien, on ne souhaite pas d'aller dans cette lignée-là. Non, je ne sais pas non plus. Moi, ce que j'aimerais savoir un peu, oui, on imagine tout un skatepark qu'on a vu avec différentes rides, des jumps et tout. Qu'est-ce qu'on fait en dehors de sa planche? Est-ce qu'on fait un entraînement particulier? Est-ce que tu travailles de l'équilibre? Est-ce que tu fais de la trampoline? Est-ce que tu vas chercher d'autres éléments pour t'aider à pratiquer? Ou tu vas vraiment freestyle puis tu composes avec ton skate à chaque fois? Moi, je vais quand même freestyle, comme tu dis. Là. C'est vraiment... Ce qui est cool du skate, c'est que t'en as des professionnels qui vont vraiment faire un training avec une diète pis tout pour toute compétition non-stop, tandis qu'il y en a d'autres qui font juste skater pour le fun pis ça mène super loin. Ce qui est cool avec le skate, c'est que t'as pas de parcours de où tu vas ci, ça. C'est vraiment, tu sais, moi, je vais freestyle, comme tu dis, là, c'est... Je vais faire du skate pis ça finit là pas mal. Là. Quand j'étais plus petit, je faisais beaucoup de trampoline, par exemple. Je pense que ça m'a aidé quand même, là.
prenez un skate pas de roue, mettons, je suis avec sa trampoline, là, tu peux apprendre des millions de trucs avec ça. Là. As-tu un modèle, Léo, ou du moins une personne peut-être qui t'inspire dans ce milieu-là, ou quelqu'un de ton entourage qui a cru en toi pour t'aider à avancer dans ce chemin-là du monde de la planche à roulettes? Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de personnes que j'admets. Dans les professionnels, mettons, il y en a un qui s'appelle Shane O'Neill, Zach Saraceno, Trevor Colden, c'est pas mal mes trois préférés. Sinon, dans le coin d'ici de Saint-Hyacinthe, quand j'étais vraiment plus jeune, il y avait Jay Boivin, lui qui avait... Quand il s'était vraiment démarqué là, dans le coin, là, il était allé jusqu'en Floride faire des compétitions puis tout. Quand j'étais petit, là, je trippais bien raide sur lui. Puis ça m'a comme fait réaliser qu'il l'a fait, je suis capable aussi. Là. Puis là, j'espère me rendre aussi loin et essayer de suivre un peu son chemin. Ah non, effectivement. Puis Jérémy, un peu la même fibre que toi, très persévérant, quelqu'un qui aime bien y aller. Maintenant, il tient les caméras, fait qu'il s'aligne un peu à tout ça. Fait que c'est sûr et certain que c'est vraiment inspirant d'avoir quelqu'un de notre coin qui a déjà franchi ça, de dire hey, si lui l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas y arriver? C'est vraiment le fun de voir ça. ça ressemble à quoi dans certains sports, on parle de volume d'entraînement, mais combien d'heures de planche que tu fais par semaine environ? J'en fais pas mal à tous les jours. Là. Une journée, ça peut être une heure, comme une autre, ça peut être 7-8. C'est vraiment, ça dépend de comment, que si j'ai le temps d'en faire toute la journée, moi, je fais ça de ma journée. Là. Si je travaille la journée ou j'ai quelque chose de prévu, ben, le soir, s'il me reste un an ou deux, c'est sûr que je le prends. Là. Sinon, l'hiver, c'est plus dur de faire du skate. Là, fait que je vais au spin à Brossard, c'est un skatepark intérieur. Puis, d'habitude, je passe ma journée là, l'hiver. Là. T'as-tu un endroit mythique dans le monde, si je prends un globe terrestre, je le tourne, ou un endroit que tu aimerais aller faire un peu de skateboard là-bas? Il y a beaucoup de places qui sont reconnues pour ça. La place, mettons, où est-ce que tout se passe, c'est vraiment à Los Angeles, en Californie. Je suis déjà allé 2-3 fois. Sinon, à part ça, que je suis jamais allé à Paris ou à Copenhague au Danemark. Ça, c'est vraiment deux places que les spots de skate sont vraiment cool. C'est différent d'ici. Là. C'est des places qui se démarquent beaucoup pour ça. Non, ça doit être impressionnant d'aller gravir les mêmes choses qu'on voit à la télé. Oui, c'est ça. De dire, hey, cette compétition-là, je l'ai vue en jouant sur mon PlayStation. Oui, les différents acteurs qu'on peut choisir, ben, t'es à côté d'eux. C'est certain qu'on aspire, quand on est capable d'être proche de ce rêve-là, de pouvoir y arriver. Léo, je te souhaite vraiment de mordre encore à plein dedans cette passion-là. Merci. T'aider à avancer le plus possible en gardant tes deux jambes intactes, tes deux poignets intacts. Je te donne le mot de la fin, mon cher, que ce soit pour remercier des gens ou tout simplement pour nous lancer sur une nouvelle piste de tes compétitions. Ça fait un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Merci à toi. Pour finir, je m'en fais une compétition en Virginie dans 2-3 jours, je pense. Parce que là, je vais essayer de faire mon possible là-bas. Sinon, je donne des cours de skate pour s'il y en a qui s'intéressent. C'est juste mon chandail ici. On donne des cours de skate vraiment partout dans la région. Ça intéresse du monde aussi. On est toujours partant d'initier des personnes. C'est ça qu'on aime, c'est notre passion. Fait que ça le message est lancé. Et merci voilà. Beaucoup, mon cher. Merci à toi. Merci. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.